extrêmement mais choquant. Mais on passe notre temps à stigmatiser ceux qui roulent en SUV. Je suis désolé, c'est extrêmement choquant pour plusieurs raisons. Un, c'est dangereux. Si le pneu est pas, bien dégonflé, on ne voit pas que ton pneu est dégonflé. Laissez-moi terminer. Si le pneu n'est pas bien dégonflé et que le type prend sa voiture et qu'il a un accident, c'est dangereux. Ça s'appelle la mise en danger de la vie autrui. Et si moi, si on le fait, je déposerai plainte. La deuxième chose, c'est contre-productif. Quand on veut emmener une population dans un projet de transition écologique, il faut que tout le monde y aille. D'accord. Stigmatiser une partie de la population, c'est bête, c'est stupide. Et c'est d'autant plus bête que quand il dégonfle un SUV moderne, il s'attaque à un véhicule qui pollue moins que la petite 208 qui est juste à côté diesel et qui pollue deux fois plus. Donc c'est crétin. En plus d'être bête, c'est crétin. Et dernière chose, c'est illégal. Comme tu l'as rappelé, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. Donc de toute façon, tout ça... Alors ils appellent ça de l'éco-sabotage. Oui. Formidable. Oui. Sauf que c'est un premier pas vers l'éco-terrorisme. Et l'éco-terrorisme, c'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et en Angleterre. C'est dangereux. Parce que pour l'instant, ils dégonflent les pneus. Demain, ils les crèveront. Ils rayeront les voitures. Tout ça n'est pas très grave. Tout ça n'est pas très grave. Mais ensuite, on aboutira. Je rappelle que dans l'histoire, il y a eu 4 vagues de terrorisme. Il y a eu le terrorisme anarchiste. Il y a eu le terrorisme anticolonial. Vous n'êtes pas en train de dire que ceux qui dégonflent les pneus sont les terroristes. Vous plaisantez quand même. Il y a eu le terrorisme de l'ultra-gauche. Et ça s'est terminé aujourd'hui par un terrorisme religieux. La cinquième vague, expliquent les spécialistes du terrorisme, ce sera un terrorisme écolo. Durable. Ben moi, j'en veux pas. Là, on en est encore loin. Oui, c'est ça. On y arrive. Vous là, il dégonfle des pneus. Quand on fêtera les 10 ans de l'émission, vous verrez qu'on en parle. Quand les véganes attaquent les boucheries, les poissonneries, sur la cause de l'environnement et la souffrance animale, c'est limite. Là, c'est sûr que c'est le stade pas limite. Non, mais vous aurez un jour un taré qui va dire moi, je fous le feu à la bagnole. Exactement. C'est pas assez, le pneu c'est pas assez, donc c'est une porte ouverte. Alors en même temps, c'est un peu potage quand même. Non, alors je suis d'accord. C'est des gamins. Alors moi, ce que j'aurais fait, la pomme de terre dans potage. Le pot d'échappement, ne peut pas démarrer. Ça fait du mal à personne. Ah bah si, ça fait du mal à quelqu'un, parce que dégonfler, vous mettez une petite bombe de, vous savez les. Non, mais là. Mais si, qui a gonflé le pneu direct. Toucher la pression des pneus. Quand j'avais un SUV, parce que j'ai eu un SUV, touché. Et je savais qu'il y avait des cons qui faisaient ça. Donc quand je venais à Paris, je prenais mon petit gonfleur qui se branche sur l'allume-cigare, au cas où quelqu'un me dégonflerait mon pneu, parce que j'ai pas envie qu'on me dégonfle mon pneu. Il est parfait.